Hello Sébar, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test. Aujourd'hui, c'est un aspirateur sans fil que j'ai trouvé sur Amazon et je voulais partager cette expérience avec vous. Il s'agit donc de la marque Kissoff S17, donc un aspirateur qui m'a l'air assez sympathique et je voulais présenter et partager cette expérience. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. On va mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Cliquez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Donc une puissance de 550 watts, 65 minutes d'autonomie, plutôt intéressant. Et le reste, on va regarder tout au long, bien évidemment, de ce déballage. Déjà, vous voyez, le design est assez sympa. Après ici, quelques caractéristiques également, le modèle, le voltage, 10 ampères. Voyez, après le support technique ici. Bien évidemment, c'est des produits et des marques chinoises. Alors, on va regarder le colisage. Déjà, ce qui est à l'intérieur, qui m'a l'air assez complet. On a donc un manuel d'utilisation ici, qui est assez bien fourni. Donc là, vous avez une grille ici. Une petite pastille, une petite brosse pour nettoyer l'appareil. Ici, voilà. Un gros manuel d'utilisation. On va regarder. Voilà, contenu. Donc, vous avez ici le français avec carrément un QR code à scanner. Vous avez ici l'indicateur et vous avez quelques explications ici au niveau du fonctionnement. Vous avez la brosse ici qui est pas trop mal. Vous voyez, donc là, c'est le rouleau d'aspiration. Vous avez quelques petites roulotte ici pour que ça roule. Vous avez des LED ici pour éclairer votre surface. Vous voyez, donc là, ça va dans tous les sens. Donc là, ça s'enquille ici. Vous voyez, vous avez un flexible à l'intérieur ici. Donc ça va dans tous les sens. Ça va comme ça et ça va dans ce sens. Donc là, on a la brosse. Vous avez la batterie ici. Donc un élément essentiel au niveau, on va dire, de votre appareil aspirateur avec le port de chargement ici. Hop. Petit support de fixation ici au niveau du mur, d'où les chevilles qui ont été livrées. Voilà, vous fixez au mur et vous accrochez votre produit. Vous avez les chevilles ici. Voilà. Après, il faut adapter vos chevilles. Si c'est des chevilles placo, il vous faut des chevilles amollies, bien évidemment. Et là, vous avez donc une brosse, une petite brosse ici. Et là, hop, voilà. Pour aspirer en dur ou pour aspirer avec la brosse. Et là, vous avez le moteur. Vous avez ici donc la petite carte et vous avez ici le moteur. Donc là, vous avez l'emplacement de la batterie ici. Voilà. Vous avez ici le bouton hop, voilà, pour enlever le bac. Donc le bac, c'est un petit peu pareil pour tout le monde, hein. Il peut être nettoyé d'ici avec un filtre HEPA. Voyez, vous avez donc le filtre ici, donc où vous en avez un second ici. Voilà, vous en avez deux. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est pas dur, hein. Donc il se clipse là comme ça. Voilà. Et là, bouton allumage. Donc voilà, plus moins. Donc vous avez le bouton allumage ici, plus ou moins ici au niveau de la puissance.
Et il nous reste après le flexible avec une super belle couleur. On va dire ici bronze ou doré. Donc je ne sais pas comment vous appelez ça. Voilà. Donc à peu près. Oui. Plutôt pas mal. Donc ça, c'est ici. Ça se branche. Je vous ferai voir tout à l'heure. Donc là, ça se rétracte. Et là, un petit embout ici. Voilà. Long pour les petits coins, les petits recoins. Et le chargeur, le câble d'alimentation ici, avec la charge, le chargeur européen, bien évidemment, qui est donné pour du 15,5 watts. Voilà, 15,5 watts. Donc voilà, ben c'était le contenu de la boîte. Voilà, je vous remets l'ensemble du contenu du pack. Vous voyez, donc c'est assez riche. Vous avez donc le groupe d'aspiration. Vous avez donc, on va dire, le tube aspirateur. Vous avez deux embouts, donc assez spécifiques pour les petits coins et les petites brosses. Vous avez la grosse brosse, la batterie, un deuxième filtre, une petite brosse pour nettoyer, le support de fixation tout à gauche, le mode d'emploi et vous avez un chargeur, enfin une alimentation électrique de 15,5 watts. Alors voilà ce que ça donne en complet avec la batterie donc qui est ici en qui est en dessous. Voilà la tige ici donc d'aspiration qui est raccordée on va dire à la brosse et de ce côté au groupe d'aspiration. On va procéder au premier allumage. Regardez ce que ça donne. L'aspiration ici avec le niveau de la batterie. Donc là, on peut augmenter ou diminuer. Là, à fond. On va essayer d'aspirer avec. Voilà au niveau du fonctionnement avec ici donc les LED pour éclaircir la surface. Et là, vous voyez, c'est le fonctionnement de la brosse ici qui tourne et qui aspire. Voilà ce que ça donne au niveau de la fixation au mur. Vous voyez ici donc le support se fixe dans ce sens et après vous viendrez ici clipser l'aspirateur directement, on va dire, sur votre mur. Le voilà branché, vous voyez, donc vous le branchez, la batterie reste dessus. Donc vous voyez, la batterie clignote également. Et là, il vous indique le pourcentage de la recharge. Donc c'est plutôt pratique et c'est visible, en tout cas, même de loin. Comme vous pouvez le voir, ici, on peut même aller sous le mur. Vous voyez, vraiment super pratique, il va partout. Vous pouvez mettre également la petite ici, le petit embout ici pour les coins, par exemple ici au niveau de l'escalier. Vous voyez, c'est assez pratique. Vous pouvez augmenter la puissance. Si vous voulez aspirer plus dans le petit recoin. C'est plutôt super pratique. Donc on va allumer. Vous voyez déjà, on va essayer de les voir ici. Voilà, vous voyez, ça va jusqu'au coin. Et l'avantage également, c'est que vous avez la lumière au niveau de la brosse. C'est vraiment super pratique. Là, ça va tout seul.
La brosse, elle roule toute seule. Vous voyez, c'est vraiment super pratique. Résultat des choses. Eh bien, écoutez, c'est juste parfait. Vous voyez, l'installation est vraiment très simple. Le coulissage est bien fourni. Vous avez un fil de plus. Vous avez des brosses et des accessoires avec. Vous avez une garantie. Donc, vous voyez, au niveau de la recharge, ça recharge assez rapidement. Vous avez une bonne autonomie dessus. Donc, plutôt concluant pour ce test. Après avoir, bien évidemment, dans la durée, on verra ce que ça donne d'ici quelques années. Je referai peut-être, on va dire, une vidéo d'ici un an, voir un petit peu comment ça vieillit. Voilà, bah écoutez, donc c'était le test de ce aspirateur donc de chez Kissoff. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Tchuss!